Qu'est-ce qui fait que son fils ne fait pas enfant? Non, elle dit ma sorcellerie la tue. Elle a bien précisé que moi, ma sorcellerie la tue. C'est ce qu'elle a dit. Il faut dire ce qu'elle a dit exactement. Elle n'a pas dit elle tue. Elle dit moi, elle, sa sorcellerie la tue. Elle dit sa sorcellerie, sa tue et sa gâte. Donc, ils l'ont envoyé pour sa délivrance. Ou bien c'est son fils qui est venu se faire délivrer. Elle dit son fils là, il a des problèmes. Donc, c'est quoi ça? Elle a dit à son fils de chercher quelqu'un qui peut la délivrer. C'est là qu'elle est venue ici à son fils. Quelqu'un qui est fort. Elle a bien précisé. Hein? Elle a dit quelqu'un. Quelqu'un qui est fort. Qui est juridique. Qui peut dire. Vous voulez bien nous donner un problème. Donc, son fils a quel problème? On a eu un problème, moi, quoi. Elle dit son fils va enfanter, mais il ne va pas enfant, il n'enfante pas. C'est comme ça que tu voulais que je cherche quelqu'un qui est fort. Qui fait que ton fils ne fait pas enfant? Elle dit c'est elle. Comment? Qu'est-ce qui fait que son fils ne fait pas enfant? Toi, tu sais que c'est toi qui fais ça à ton fils. Pourquoi tu l'as laissé venir? Pourquoi tu lui as pas dit que c'est toi qui bloquais sa fécondité et tu es venu à lui? Normalement, si elle cherche une solution pour son fils, elle devait dire aux gens que c'est elle qui est la base. C'est quand elle est venue ici que moi je l'ai attrapé. Parce que je vais dire comment ça s'est passé l'histoire. Son fils, elle c'est elle qui envoie effectivement les gens dans les camps de prière, on ne l'attrape pas. Donc son fils dit non, il faut qu'on passe chez le prophète. Elle a d'abord résisté, elle n'a pas voulu. Lui, il a insisté. Lui, il a insisté qu'on arrive, ils arrivent chez moi. Et donc ils m'ont présenté l'histoire pour dire on n'enfante pas. Mais on a venu votre maman aussi, elle souffre. Non, pas présenté les mamans comme ça, chère. J'aurais dit votre problème là. Voici le problème. C'est votre maman qui est sorcière. C'est là qu'elle avoue. Elle dit tu l'attrapes. Moi, il attrape du sorcier. Non, moi, le sorcier. C'est pas là. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu es une mère. Tu es la mère. Tu es toi qui mets un enfant au monde et tu bloques sa vie. Explique-nous ça. Hola. On est Gab. Elle dit c'est l'esprit de sorcellerie. Non, nous, il ne faut pas parler ça comme ça facilement. Hein. Nous, il faut nous expliquer. On a ces hommes. Nous expliquer ça. On a ces hommes que la condamnée, ces hommes. Parce que on m'a dit, c'est toi qui dois être à voir le goût de ton fils. Parce qu'elle n'est pas Dida. C'est ça? C'est toi qui choisis. Donc comment ça s'est passé? Parce que... Elle dit quoi? Il a marié une soi-disant étrangère. Elle voulait qu'elle se marie à une Dida. Bien Godier. Comme ça, tu allais bien parler. Les enfants.
Donc, qu'est-ce que tu as fait si elle? Qu'est-ce que tu as fait si elle? Quand le bonheur n'a pas de bonheur, elle a ses deux petits-fils qui sont sorciers. Donc elle les a envoyés, c'est celle-là. On a ses flèches ici, deux, un ici, un ici. Si elle a moyen, elle va quitter son mari, son fils. Tu as des douleurs au ventre? Oui, si elle te met, tiens pas, les reins. Les reins? Oui, voilà. Franchement, vous voyez la sorcellerie? C'est ce qu'il a dit aux gens, vous voyez pourquoi nous combattons la sorcellerie, vous voyez pourquoi nous combattons la sorcellerie, et vous pensez que c'est de l'amusement. C'est pas moi qui mets les paroles dans la bouche de cette femme, cette vieille. Elle explique qu'elle a des petits-enfants sorciers. Et ces petits-enfants sorciers, elle envoie en mission pour aller flécher cette dame. Donc je pose la question à la dame. Est-ce qu'effectivement tu as des douleurs dans les reins? Elle dit même, là où elle est, là, la douleur est atroce. Vous voyez comment la sorcellerie fait des dégâts. Et puis vous voulez que nous ne puissions rien faire. Normalement, vous devez nous soutenir pour démasquer tous ces sorciers et pour libérer les victimes. Voici le combat que nous menons, frère. Ah, laissons la sorcellerie. Et Dieu nous aide. Elle dit qu'elle ne voulait pas que son fils la marie. C'est pour ça qu'elle a fait souffrir. Il faut qu'elle nous explique ce qu'elle a fait à son fils. Est-ce qu'elle a fait réellement? Elle dit que c'est que son fils a gâté. C'est l'eau. Elle a mis quelque chose. Et puis elle allait sécher ça. Physiquement, ou en sorcellerie, la joue comment? Voilà. Vous, ça va, ma sœur, va. Oh, attends, c'est l'égard. Je vais gagner pour une personne. Elle dit, c'est la pluie, la sorcellerie. On ne peut pas faire ça dans la journée. Donc, elle allait faire la moue à son fils. On l'a dit, il ne faut pas, il ne faut pas là. Elle dit, oui.
Vraiment, c'est-à-dire que moi-même, il a regardé même, je suis dépassé. Toi, viens, on est de... tu fais la délinquance. Tu veux jouer. Ah, oh, vraiment. Tu avais porté des petits camisoles pour partir ou bien c'est comment? Voilà. Quand tu te dis pas, il faut que tu prennes, mais je ne peux pas. Elle dit, jeune fille. Et puis elle allait là-bas. Elle était jeune fille. Et puis elle avait des seins comme elle ça. Elle était jeune fille. Seins comme ça. Et le monsieur, il a pris l'embrasser, fait bisous en même temps. Voilà. Maintenant, il y a des coups, il y a des coups. Et quand son fils l'a vu, vraiment, il était dépassé. Il ne savait pas ce qu'il va faire. Il était trop content de vous faire. Il voyait son rêve, c'est ça, un rêve, dans le rêve. Voilà, il y a la main. Il y a la main. Elle dit, enlève. Vos histoires de femmes de nuit, mari de nuit, vous voyez un rêve, vous voyez la petite fille, elle a un petit jupette, elle te date la nuit dans le rêve, tu l'embrasses, tu jures en même temps que tu te réveilles. C'est les vieilles comme ça. Hein? Une vieille qui chute tabac, c'est elle qui a embrassé un rêve. Comment ton patron n'a pas te chassé? Il va en même temps ton patron, il faut partir, c'est terminé. Donc, quand tu as fini, tu as embrassé la vie en rêve. Ouais. Tu as l'impression que c'est une jeune fille, une fille, ou il prend le visage de ta femme, il prend le visage de ton mari. Oh, la vie est venue ouverte du bout du bout. C'est des délinquants. Vous ne dormez pas la nuit, vous baladez. Et tu te promènes en petite chipette. Il y a une vieille comme ça.